Du coup, tu tires avec des dégâts explosifs, toi, pour le moment? Oula, dégâts explosifs. Attends, je vérifie si j'ai ça dans mon arsenal. Qu'on s'organise. Dégâts. Non, j'ai tous les types sauf l'explosif. Putain, je crois que je vais pas avoir explosif non plus. Ah si, j'ai des. Oh, bah, j'ai que des lance-roquettes en explosif. Bon, bah, je m'occupe des de l'explosif. Et toi, tu t'occupes des dégâts autres. Tu vois le menu de toute façon à droite, tu sais quoi faire. Ouais, je le vois, je vois. Bon, bah, je vais commencer par le courant. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Remarque, ça marche Tant que aussi le avec les courant grenades. passe! Oui, mais les grenades, c'est pas forcément des dégâts explosifs. Ah, d'accord, Ouais, ok. moi j'ai des grenades qui font des dégâts de. D'électricité. Ah, oui, ah oui, c'est là où. Faut que je trouve Ça un va être pack. long, hein. Je le dis tout de suite, ça va être très très long pour moi. Fantomitude. Ah, bon, c'est beau de sentir les dégâts juste avant le son. Je vais me mettre à couvert comme dans un vrai FPS, quoi. C'est beau, hein. Non, j'en suis à 9. Coup, toi. Et je suis déjà Oh à court de merde, munitions les pour dégâts de les... corrosif. Oh, ça va être la merde, ça. Alors attends, parce que je suis déjà à court de munitions, je regarde si j'ai d'autres armes explosives, mais... Je pense pas. Ah, j'ai des skills qui font des dégâts corrosifs, j'ai intérêt à les one-shot avec avec les courants. De toute façon, ça, y a aussi besoin pour des dégâts corrosifs, tu vois ce que je veux dire? Ah Donc, ouais, mais le problème c'est que c'est au moment où il crève, c'est les dégâts avec lesquels il est mort que. Oui, mais dans tous les cas, on a besoin des deux. Donc, à partir du moment où t'as rempli les dégâts corrosifs, effectivement, tu peux arrêter, mais. Non, c'est pas ça, c'est que je peux pas arrêter ce skill. C'est un truc de base. Je vais commencer à ignorer Neleoko parce qu'il parle d'un jeu qui est mort. De qui, Robocraft? De quoi? Bah, tu vois, il suffit de le dire, il comprend. Instant! Ils sont aveugles, les ennemis, par contre. En vrai, un petit peu. En vrai, c'est un petit peu. Il survit avec ces 2-3 joueurs qui restent dessus, quoi. Oui, c'est les deux seuls qui payent pour pouvoir jouer, donc forcément. Je crois que Pégase, il joue encore. Ouais. Mais il avait une team et tout, lui, de mémoire. Ah oui, la team, elle a été... Ouais, bah, il est une team à lui tout seul, maintenant, mais... Enfin, je me doute, mais... J'en suis à 15. Tu devrais t'enfuir. J'en suis à combien moi ça. C'est marqué hein. Ouais, ah, c'est vrai, j'ai oublié qu'il sait pas lire. La belle lune. Ouais, je vais faire corrosif et en même temps l'électrique. Ouais, moi je vais dans le champ. Oh non. Ils m'ont eu en plein saut. C'est bon ça. Je suis prêt. C'était tellement propre la façon dont ils m'ont eu. Oh merde. Oh, oh mes oreilles. Mes oreilles veulent mourir. Tu l'as eu ou je l'ai eu? Aucune idée. En tout cas, il reste plus grand chose. C'est comme mes munitions, il en reste plus grand chose. Par contre, t'as pas envie de me suivre tout le temps hein. Quand je vais vers des ennemis, c'est justement pour éviter que tu les tues avant que je les tue. Non. Ah, c'est raté. Alors ça par contre c'est problématique. Il va falloir que je vais faire le plein de munitions. Là je commence à avoir des problèmes, c'est que j'ai plus de dégâts corrosifs que de... Mais en fait, c'est quoi? C'était des dégâts cac qui font les dégâts corrosifs ou. Non, c'est en gros quand je tire des balles, je crois que c'est quand je fais des critiques, j'ai plus de chance. En fait, je fais un gaz de nuage toxique. Dis-moi, c'est laquelle? Ah, ouais, d'accord. Merci pour l'oseille. Comme papa dans maman. Ah, oui. Ça, c'est la seule phrase que tu retiens de moi? Ah bah. Bah, c'est Connie la dernière fois qui avait des problèmes avec sa maman. M'en occupe du mec, hein, m'en occupe. Ah, c'est pas celui-là que je vise, moi j'en vois un qui est là-bas. Ah, il est là-bas. Joli tir. Tu l'as pas tué, mais joli tir. Hein, c'est parce que j'ai tué son collègue qui était derrière. C'est moi qui vais te buter. Fantomitude.
J'ai tué mes 25. Je passe aux dégâts de feu. Y'a un type d'arc que t'as pas en élémentaire? Normalement non, je dois avoir corrosif et électrique. Merci d'avoir corrosif, à mon avis, t'auras pas besoin. Ton prof s'appelle Monsieur Boom. Tu sais qu'on a un Monsieur Boom qui est passé sur les... Ah, il faut pas qu'on tire sur le même mec. On a Monsieur Boom qui est passé, qui m'a filé un gros coup de main. Ah putain, il y a des rats des champs. Allez, elle est d'une précision incroyable cette arme. Par contre, ouais, je te viens de te dire qu'on tire pas sur le même mec et tu à chaque fois t'as attendu que j'en chie. Non, j'attends pas, je vise. Ah ouais. Donc j'ai le temps de tirer un demi-chargeur que t'as pas encore. Là c'est ça, moi. Deux. Merci, putain. Sniper, je suis à même pas 2 mètres de lui, tu me fais. Aïe. Qu'est-ce qu'il m'a fait ça? Comment il fait ça? T'en sortir? Oui. Bah, j'aurais pu m'en sortir. Du coup, je savais pas de. Putain, ce flingue est d'une précision incroyable. Bah, là, l'électrique que j'ai, il est pas pratique, mon perso. Je sais que j'ai une. J'ai une mitrailleuse normalement. Aïe. Incendiaire. Voilà. C'est quoi? C'est un mortier que j'ai! Oh putain, mais ça marche pas des masses! Regarde mon arme! Quoi? Bah elle tire en mortier! C'est très chelou! Regarde! Ah ouais, c'est vrai, c'est bizarre! Pour tirer sur un mec, je vais tirer à ses pieds! Pour que ça rebondisse dessus, regarde! Aïe! Qui a fait ça? Qui a osé me tirer dessus? Je fais plus de corrosif, c'est chiant. Salut Benji Boy! Bah écoute, ça va bien. Ça va super bien. On a bientôt parlé de Monsieur Boom. Bah lui, c'est Docteur Boom. Benji Boy. Wouhou! Petit du monde qui pop! Oui. Ah bah tu... Putain, c'est de la merde. C'est de la merde cette arme. Cela dit, l'autre est pas précise. Ah oh, putain, je le mets cave et c'est lui qui le finit. Aïe. T'apprendras. Mais c'est vrai, comment ça se fait qu'une perso il parle en mec? What? Non, mais il y a un truc chelou au niveau de ton personnage. Bon, déjà rien que sa gueule, elle est chelou. Que 3 kills électriques et puis après c'est que du feu. Hein. Ouais, le problème c'est que ça va continuer de me faire des dégâts corrosifs, moi s'en fiche. T'as pas des grenades électriques, tu disais? Si, j'ai les grenades, je le dis, mais je crois que même les grenades elles sont les actifs cette compétence. Oh putain, il va me tuer. Non, ça va, c'est pas un problème. Okay, bah, je peux les faire alors. Brûle! Comme tu as réanimé, parce que... Non, mais ça allait très bien. En fait, le problème, c'est que j'ai eu peur du rat de laboratoire qui fait assez mal. On n'arrivera pas à faire la quête. Mais si. Non, regarde, il reste. Mais t'inquiète. Ça me perturbe par contre les bruits. Ah oui, d'accord, oui, je vois ce qui va se passer. Ok. Ah, t'as compris. Comment ça va, Benji Boy? Je sais plus si je t'ai répondu, excuse-moi. Ah là, la faute à qui, hein, qu'on n'a pas réussi. Oh non, pas cette quête. Ici, par contre, il y a une chance sur 5 que ça soit buggé. Que ça soit buggé. Ah, ouais, qu'est-ce qui soit buggé? Tu vas voir, tu peux l'avoir pour faire dans la quête et on va avoir un petit bug, on va pas pouvoir la faire. Merde, faut changer de sniper. Pourquoi on va pas pouvoir la faire? Bah tu vas voir. Putain, il me pète les couilles. Je peux pas te dire, t'as dit que fais pas spoiler. Je te parle de l'histoire du jeu. Ah,
pourras pas la faire cette quête là. En gros, il y a un bug où il faut récupérer une connerie par terre et tu pourras pas la récupérer. Viens. Oui, là. Pourquoi j'utilise pas? Parce que d'une liste tu par terre. Tu te tais. Bon, bah, je m'attendais pas à faire ça, mais soit. Je suis prêt. J'ai déjà fait des streams et des vidéos dessus, Neleoko. Et t'étais même dedans, les streams. On en a déjà parlé, on en a déjà fait ensemble. Arrête de faire ta promotion. Le mec, il essaie de tricher un petit peu, tu sais, il passe par des moyens un petit peu chelous pour... Hyperion vous remettra une arme unique. Veuillez venir récupérer votre récompense. Après, tu sais, t'aurais pu l'acheter directement sur... Profitez de l'arme expérimentale sur l'Epic Game Store. XKCD. Faites sur mesure ouais, mais ça coûte plus cher. Pour les meurtriers comme vous. Je l'ai eu pour 40 balles alors que... C'est quoi l'arme qu'on a eu? Bonne question. Je crois que c'est ça que j'ai eu. Ah ouais, une unique les gars. Ah, je crois que c'est ça, celle-là que j'ai eu, je crois. Attends, celle-là. Oh purée. Ah, ça va être horrible. Regarde la vitesse à laquelle je me déplace. What? C'est vrai qu'on dirait que t'es sur la lune. On dirait que t'es sur la lune. C'est non. C'est quoi cette arme? Analytical. Lancement de la loterie de la broyeuse Hyperion. Attends, je veux voir si c'est un bug ou si c'est... Bientôt son ticket obligatoire. Ah non, ça je vais. Attends. Dégâts étaient chargeurs accrus, mais précision initiale qui réduit. Lorsqu'elle est équipée, les vitesses de déplacement du personnage est considérablement réduite. Module vocal unique et passablement agaçant. Oh putain. Donc c'est bien ça. C'est une arme qui ralentit le personnage, comme c'est pas permis, interdit aux anges, ça se fait à Sanctuary, on y va. Il va falloir être très très fort pour convaincre Claptrap d'aller à South... Spire, direction Thousand Cats. D'abord, j'en doutais. Mon service, puis l'ange a attaqué Sanctuary par surprise. Tu ne comprends pas, Spire? C'est à moi que Jack en veut, et il est temps de riposter. Je te retrouverai à Thousand Cuts. Wow, il s'est téléporté, il est trop fort. Allez, on l'essaye. Oh, la précision de merde. C'est de la merde. C'est de la merde, cette arme. Tu peux me soigner, s'il te plaît? Bien sûr. Salut, Claptrap. Spire, j'ai commencé mon attaque. Je vais taguer tout ce que je croise, même si j'y laisse la vie. Peut-être 10. Hey, tu viens ou tu viens pas? Tu n'es pas un robot d'Hyperion. As-tu plié, toi? Il y a un mec sur la tourelle là-bas, regarde. Où ça? Là derrière. Ah ouais. Putain, ce fusil d'assaut tire des lance-roquettes. Enfin, tire des roquettes. Donc du coup, c'est un peu compliqué parce qu'elles sont... Tu sais, elles partent pas toutes seules. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois. Là-bas. Ah, t'as fait si mal que ça? Non, mais j'aime pas prendre des coups quand même. Tu as passé le premier rempart. C'est mignon. Sûr, vivement le niveau 30. Ah mais ils sont avec vous les hélicos, je suis bête. Mais oui. Oui, oui, et oui, tu es bête, effectivement. M'en fous, ça l'est. Je suis sûr que t'as eu peur il y a 2 secondes. Tu crois? Oui, le joueur de la Playroom. Mais vas-y. Amène tes fesses. Je vais te montrer, Raylin, ce que c'est qu'un
qu'un pote efficace. Ouais. Ouais. Non mais c'est-à-dire que franchement la dernière fois on a fait le stream à deux. Et à lui tout seul, il était plus ou moins de mon niveau, il était pas pété comme toi. Hein. Et j'ai l'impression qu'on est allé plus vite dans les quêtes. Et c'est vrai qu'on a rien foutu nous quand on était avec toi. Avec bah oui, c'est ça. Tu peux me... Ah, je peux, je pourrais. Merci. Oh oh. Vivement que j'ai la compétence niveau 30. Comme des mouches, dès que je fais un kill, ça reset ma... En fait, je suis plus invisible, mais après je redeviens invisible. Et je continue à rester invisible et à faire des kills, et je reste invisible, et je continue à faire des kills, et je reste invisible. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui va rendre les choses assez pétées. Il reste plus que deux bonhommes, et après je vais... Voilà. Ah. Et là, je vais rajouter... Monsieur Koum, Ben. Bonjour Ben. On n'a pas eu de bug de son cette fois. Même si là pour le coup je ne t'entends pas. Sérieux? Ah si j'entends, c'est bon. J'ai la voix du beau Jack. Ouais bah j'allais dire que t'avais la voix de Koum mais en mode chelou. En mode sérieuse non, en fait. Non non c'est bon, je sais maintenant pourquoi c'est ça, c'est parce que c'est la quête. Pourquoi je l'ai déjà. Ah mais oui. Oui t'as raison, on se fait passer pour le beau Jack. Attention, Mastoc. Comment ça va, Ben? Dis-moi tout. Bah écoute, ça va. Je sais pas si tu m'entends. Mais... Ouais, je t'entends. Ok, bah c'est bon alors. Il y avait comme un doute. Moi, je passe par l'endroit où ça explose. Voilà, je vais y arriver à parler un jour. Non, c'est pas comme des vies. Vous êtes skillé, c'est tout. Oh non. Je peux pas grimper sur le caillou. Ah oh, c'est nul. Ah bah là je vais prendre cher. Ah. Ouais y'a un porteur brutal derrière. Il est derrière, c'est pas grave. Ah il y avait. Je suis tombé dans le seul trou de la map. Tu connaissais ce flingue là toi, monsieur Boom? Regarde, là je suis à fond. Et quand je tire. Ouais, c'est un bruit insupportable. On va l'utiliser souvent là. Il est efficace en plus, c'est ça le pire. Là, j'ai pas avoir le temps. Non, j'ai pas le temps. Oh, brutal. Ouais, attention au sniper, il fait quand même pas mal de dégâts, c'est assez chiant. Oh, c'est bon, il est mort. Ah bon, pas nickel. Ah, bah j'ai pas le temps de l'approcher celui-là. Je cherche un point en hauteur. Ils ont détruit mes boucliers. Prends cette grenade. Tout va bien. Bien. Tant que j'ai pas mon bouclier, ça va en fait. Un coup d'épée, ça fait tellement de dégâts. Mais faut que je change quand même mon bouclier héroïde. Beaucoup trop vieux. Mais j'en trouve pas d'autres. T'en trouves pas d'autres qui soient hostiles. Non, il me faut un bouclier héroïde. Parce qu'en fait, les boucliers héroïdes augmentent tes dégâts de cac quand ils sont vides. Et comme j'ai un build un tout petit peu orienté cac, un tout petit peu, c'est plus que nécessaire que j'ai ce genre de bouclier. J'avais même pas vu. Hier soir, donc du coup j'ai regardé 2-3 vidéos hier soir autour de Borderlands 3. Et dont. C'était une petite soirée. C'était une petite soirée, voilà. Et il y a je crois que c'est le chef artistique qui disait que, ouais, moi quand je joue à Borderlands, je joue tout seul parce que c'est le seul moyen qu'on a de véritablement écouter l'histoire. Sinon, c'est toujours le bordel.
Du coup, je me demande comment ça va être quand on va enregistrer à 4. Je pense que ça va être rigolo. C'est... Il suffit de dire fermer là quand il y a le... Pas un brutal. Ah bah, un peu brutal. Tu peux les ennemis, peuvent survivre. Récupéré la clé de l'arche. Pourquoi j'ai pas de chance. Il y a quelques années, Wilhelm et moi, on est passé voir ton ami Tanis. Et on l'a frappé, et frappé. Et on l'a lui arraché de ses mains en miettes. Mais on ne l'a pas tué, parce que les héros sont pas comme ça. Dommage. Changement d'arme. Tu l'as entendu aussi, très bien. Arrive à Spencer. J'envoie des gars à moi de prêter main forte. Ouh. Un shotgun bandit qui fait beaucoup moins de dégâts que mon Jacobs.